bien bonjour à tous les amis, c'est Beau Jumper. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi ça va plutôt nickel, c'est incroyable les amis. Je suis tellement heureux de vous retrouver, vous ne rêvez pas les amis, enfin pour du Subnautica, pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, Below Zero. Et oui les amis, ça y est, il est là, oh là là, c'est un truc de dingue, je suis tellement heureux les amis. Au cas où vous ne le savez pas, effectivement, Below Zero, la nouvelle aventure de Subnautica, oh là là, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver, c'est dingue. J'avais tellement hâte que cette aventure sorte. Alors il faut savoir que cette aventure est un early access, c'est-à-dire qu'elle n'est pas 100% complète, comme l'a été Subnautica quand il était en early access au tout début. Et on va vivre ensemble une toute nouvelle aventure. Et ça faisait longtemps qu'on l'attendait, cette aventure. Oh, j'ai pas les mots, je suis tellement heureux. Vous pouvez pas savoir. Il faut savoir d'ailleurs en plus que cette aventure est totalement, comment dire, elle est un petit peu divisée, contrairement à notre aventure sur Subnautica. C'est-à-dire qu'en fait, on va certes retrouver notre personnage, mais on va pas retrouver tout notre monde qu'on avait. Voilà, et on va découvrir ensemble un nouvel univers vraiment très étrange et qu'on ne connaissait pas, de Subnautica. Et les amis, on va partir ensemble sur cette nouvelle aventure. Ensemble, bon, bien sûr, bah oui, alors là... Oh là là, waouh. Je me demande si on aura le même personnage en fait. Regardez, je sais pas si... c'est même. Oh, c'est tellement cool. Oh là là, les amis, je n'ai pas les mots, je suis tellement heureux. Vous savez que pour moi, Subnautica est un jeu qui compte énormément, que j'ai fait depuis très longtemps sur la chaîne, et que j'ai continué très très longtemps. On a même terminé l'histoire, on avait tout exploré, et on attendait Below Zero, la suite de l'aventure, depuis tellement longtemps en fait. Acne World Entertainment present. Present? Present quoi? Oh. Hein? On a un réveil. Oh, ça y est, on y est. Oh, ça y est, on y est, les amis. Ça y est, on y est. Oh, on joue un autre personnage. C'est une aventure parallèle en fait, par rapport à l'autre personnage qu'on joue dans Subnautica. Ah, excellent. Donc on retrouve bien sûr notre inventaire avec le Billy Hay. L'interface, elle a un petit peu changé. We are different, but we go together. Nous sommes différents, mais nous allons y arriver ensemble, quoi. Oh, c'est... J'ai l'impression que c'était la voix du Sea Empereur. Ah, ça devait être ça, ouais. C'est le Sea Empereur qui nous appelle, je pense. Ok, bon. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à fouiller? Alors, je vais tout regarder, les amis. Je vous le dis, je vais tout regarder. C'est... On va pas non plus s'attarder sur le, sur le lit des étagères désert, mais on va vraiment essayer de tout explorer au maximum sur Below Zero. Donc, bien sûr, le nouveau biome, hein, du coup, le biome neige. Le biome glacial, hein, si vous préférez. Oh là là. On est directement sur une île, en fait. C'est une cafétéria, en fait. Oh, ils avaient établi une base ici. Ah, on doit être les derniers chercheurs de cet endroit, je pense. Et là, regardez, il y a plein d'autres personnes qui étaient ici. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Hein. Donc là, on a les rapports sur les autres personnes. Hein. Oh, la petite armoire. Elle est verrouillée. Ah, elle est verrouillée. Ah voilà, c'était une base de recherche. Zéro. Ok. D'accord.
Mais cette base est incroyablement grande en fait. Petite salle de stockage. Greenhouse. Oh. Alors, par contre, toujours du mal à prendre les escaliers. Oh, c'est une serre. Excellent. Oh. On va à la porte. Waouh. Oh. On dirait une base alien. Ah, ils ont établi un campement ici parce qu'ils avaient sûrement trouvé une base alien. Station Zero, this is Vesper, come in. Hein? Hi Sam. We lost contact with Jeffries up at the research site. Okay, I'll check it out. Understood. You know, the formal bit's cute, but we've shared a womb. Would it kill your career to act like we'd met before? Robin, you know these conversations are monitored. Donc on s'appelle Robin. It's cute. I've been here too. Et on est avec Sam apparemment, on n'est pas tout seul. Because you went straight to the planet. Find Jeffries, chat later. Yes, mom. Et c'est notre mère apparemment. Waouh, on n'est pas tout seul. Mais c'est génial. Non, parce que je tiens à dire, pour toutes les personnes qui n'ont pas suivi l'aventure somnétique 1, on est tout seul, hein, tout du long. Hein. Non, il y a aussi le Léviathan, mais bon, c'est une autre histoire. Oh, on fait de la recherche sur tout ce qu'on peut trouver ici, en fait. Donc là, ils ont vraiment... En fait, cette partie-là de la zone de la planète de somnétique 1, on réussit à établir un camp. Enfin, une base, hein, une base de recherche. Voilà, pour étudier la faune et la flore. Comme dans beaucoup de films et dans la réalité, d'ailleurs. Donc à mon avis, ça doit être pour les œufs, ça. Je sais, je l'ai vu dans Jurassic Park. Non, d'accord, très bien. Oh, c'est génial. On va s'aventurer par là, les amis, je pense. Oh là 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 là, il y a trop de trucs. Qui a laissé ça ici, là, dehors? Ah, ils sont en train de réparer les bras. Hein? On dirait un satellite. Waouh. Sûrement pour étudier la météo, je pense. Ok, il est cassé. Bon, on peut pas y aller. Eh bien, écoutez, on va y aller à pied. Oh. Bien. Yeah. Ils s'amusaient à faire un bonhomme de neige avec l'équipement. On peut pas l'équiper. Dommage. Alors l'eau doit être très froide, hein. Regardez, ouais, il y a un site de... Un site alien. Oh, ouais, c'est même... Ouais, bon, le jeu est en early access. Hein. Wow. Je pense qu'il va y avoir moyen de casser la glace. Passer sous l'eau, je pense. Ouais. Il va y avoir moyen, je pense. Bon, ok, au moins je peux remonter, c'est déjà ça. C'est déjà ça, ok, très bien. Bon, alors, on va se balader un petit peu. On avait une mission, je vous rappelle. Oh, il y a un truc là-bas. Faut qu'on retrouve Jeffrey, je crois. Par contre, j'ai remarqué, on n'a pas de barre de points de vie. Oh. C'est vrai que mis à part les... Ah, c'est mal. À part les crabes, on n'avait pas vraiment de créatures très présentes dans Subnautica sur les îles. En même temps, bon, le but de l'aventure se passe sous l'eau, mais c'est vrai que là c'est intéressant. Là on voit vraiment un petit peu la faune et la flore qui est bien présente sur les îles. C'est excellent. Et c'est très beau en tout cas, hein. Très très beau, encore très réussi, hein. Vraiment le studio a fait du bon taf. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a là-bas? À mon avis, bien sûr, ils ont dû aller sur le site alien. On n'est pas là que pour regarder les fleurs, hein, non. J'essaie de me faire des travelling à la perfection. T'es un film. Oh. Je connais cette structure. L'entrée alien. C'est clairement ça. Je pense qu'on va devoir s'aventurer, je pense.
c'est que ça, ok. Du café. La voix alien. How do you know my name? I come in peace. Je viens en paix. Sam, comment savez-vous mon nom? En fait, l'alien vient nous dire accès interdit. It's never done that before. Robin. I'm fine. Donc, il connaît notre nom. No sign of Jeffries. Wow. I've got an electrical storm on the sensors. Ah, il y a des tempêtes. I think it's already here. That cavern isn't stable. I want you to get back to Sam. Ok. Damn it. Et tempêtes électromagnétiques. Donc du coup, qui peuvent causer des problèmes électriques. Je crois que ça se dit comme ça. Tempête électromagnétique. Du coup, peut-être que ça fera bugger le... Ah, les tablettes. Le système. Oh, le délire. C'est ouf parce que c'est la première fois qu'on entend la voix des aliens, qui n'est pas très pacifique, hein. Mais bon, je pense que bon, il va falloir quand même essayer de rentrer. Alors attendez, on va regarder le Billy Hay. Ça va avoir des informations. Si on va avoir des informations à propos du code. Merci. Wow. Les recherches. Ok. On va rentrer, je pense. On va rentrer parce qu'à mon avis, il y a dû avoir un problème avec la base. Parce que là, avec une tempête dehors comme ça, c'est pas bon signe. On va peut-être pas rester ici, hein. On est d'accord. Oula, ouais. Oh. Non, le chemin il est bloqué, je crois. Doucement, toi. Hein. Bien sûr, on ne peut pas s'abaisser, hein. Non, là c'est mort. Oh, non, on va devoir passer là. Le reste du temps dans la grotte, le temps qu'on nous sorte d'ici. Oh, attendez, en fait, les amis, regardez, il y a un passage ici. La foudre a débloqué un passage. Oh, la tempête, c'est terrible. Hein. Oh là 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 là. Oh là là! Pas la foudre, s'il vous plaît! Pas la foudre! Descends doucement ici, voilà. Wow. Oh, la tempête, c'est incroyable! On n'avait pas encore cet effet météo dans le jeu. Ça, c'est vraiment une première pour le coup, et c'est assez impressionnant en fait. Donc toutes les communications sont coupées à cause de cette tempête électromagnétique. Oh, la base. Yes. Vite, 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 vite. Oh, c'est quoi ça? Il y a eu une avalanche. C'était pas la base en fait, c'était une... Ah si, si. Si, si, la base elle a été recouverte par l'avalanche, on est d'accord. Ouf, je me suis fait mal. Ouf. Ok, j'ai chuté. Bon, je pense que c'était prévu. Your environment is no longer safe. Ah, ça and y your est. PDA has rebooted in emergency mode. Be advised. Oh, high wind speeds will cause lethal exposure in 4 minutes. Ok. D'accord. Donc là, le système d'urgence s'est mis en place. Ouais, c'est ça. La base elle a été recouverte par l'avalanche. Pour nous prouver que bon, là, on est en situation un peu plus dangereuse, du coup, on peut voir nos points de vie, notre oxygène, notre faim et la soif, bien sûr. Bon, je suis trop curieux avec les bêtes, hein, du coup, je vais faire attention quand même. Oh, on a vidé l'espèce de petite poche, c'était une poche d'oxygène. Une créature avec une poche d'oxygène. Merci. On va pas se faire d'ennemis sur la planète parce que bon. Ok. C'est terriblement sombre. Terriblement sombre. Waouh. Ah, on retrouve nos collègues. Les Hoopfish. Yes. Ah, bien là, toi. Ouais, boomerang. Ah, je vais lâcher lui. Non, reviens là, reviens là, reviens là. Ah, très bien. À l'océan direct. Oh, regardez, il y a des espèces de pingouins.
Salut! C'est génial. Waouh. Oh là 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 là. J'aime pas trop je pourrais avoir mon Simov s'il vous plaît. Je me contenterai d'un Simov si vous voulez. Pas de problème si vous voulez hein. Je te demande même pas un Cyclops hein, mais j'avoue que là être dans les profondeurs comme ça direct c'est moyen moyen quoi. Robin, come in. I copy. Ah, j'arrive. I'm out in open water. Stay where you are. I'm sending a rescue shuttle. No, on I'm nous envoie okay. Un vaisseau de sauvetage. I just need shelter. Fine, I'm sending a temporary habitat instead. Look up. Thank you, Sam. Call me when you get there. Ok. Attendez, faut regarder au-dessus. Regardez. Ah, à mon avis, ouais, c'est une base dans l'espace. Ils ont carrément une base dans l'espace, quoi. Oh, on peut nous envoyer directement, en fait, des vaisseaux et tout. Enfin, des petits sous-marins. Ah, c'est bon, ça suffit. On sait très bien que tu sais plonger, on le sait, on le voit maintenant. Mais c'est génial. C'est génial, les amis. Oh là 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 là. Regardez, il arrive. Oh là là, c'est tellement cool. Voilà, il arrive en parachute. Ah, c'est une life pod. J'ai l'impression. C'était, on dirait, une capsule de survie. Ouais, je vois. Ouais, c'est ça. D'accord. Génial. Voilà, et là, du coup... Ok. Notre petite capsule de survie. Sam, I'm at the habitat. Je suis dans l'habitation. Est-ce que t'as des nouvelles du Jeffrey? And the facility? It said my name. I need to know why. Okay. J'ai besoin de savoir pourquoi. Oui, on a dit mon nom. Okay. Ok, essaye de faire quelque chose pour manger. Will do. On répondra à tout ça tout à l'heure. Ok, d'accord. Ok, donc là, je vais me faire un petit boomerang QE à l'ancienne. On connaît la base. Hein. Pour le coup. Allez. Nice. Voilà, c'est bon. On peut même sauvegarder, je crois. Génial. Génial, 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 génial. Oh, les panneaux solaires sur les côtés, c'est pour l'alimentation de la capsule. Je sais pas que je pouvais faire. Oh. Ah d'accord, on peut utiliser fabricateur à l'intérieur. Oui, bon, après, voilà. Excellent, c'est pas du tout les mêmes. Celle-ci ne flotte pas, hein. Que la capsule de survie de base. Ouais bah écoutez, vous savez quoi les amis, on va se faire notre petit équipement hein, parce que je pense que là c'est un petit couteau, silicone, tout ça, on connaît. Je regarde quand même s'il n'y a pas de nouvelles. Oh, Creep Vine Sink. Ah elles sont différentes celles-là. Ok, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Parce que là il y a masse truc là. Waouh waouh waouh. Ça a pas l'air d'être ouais, on va se balader. On va se balader un petit peu. Ah oh. Crap farmer, Crement. Oh, regardez. Ah oui, faut l'analyser. Très bien. J'ai compris, j'ai compris. Ok. Ça, je sais pas si on peut le récolter à la main, non. On va se balader un petit peu. Oui, 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 faut que je remonte, faut que je remonte. On va se balader un petit peu, on va voir si il y a des petites choses. Bon, la capsule de survie est indiquée, donc ça, c'est vraiment très cool. J'ai rien dans mon inventaire, on est d'accord. C'est magnifique les amis, c'est incroyable comment c'est beau. Et regardez, j'ai trouvé les Creep Vines. On se souvient de ça hein. À mon avis ça doit être là-dessus. Ça doit être là-dessus. Oh, il y a même du quartz. C'est bon, je peux prendre Creep Vine. Normalement, voilà, regardez, il y en a. Par contre la foudre ça fait très peur hein. Nice. Super. Oh, on a la blinde en plus. Voilà, ça roule. Hop, ça c'est bon. Attends, on va remonter. Ouais, je remonte en même temps en fait. Oh, il fait jour, yes. Cool. Ah, c'est déjà mieux. Ok, je voulais voir pour le couteau déjà. Ok, il me faut du titanium. Oh, et cette musique. Ok, yes, il y a du minerai. Alors j'ai de la place. J'en ai pas énormément, mais
Ah non, c'est des fragments. Là, il y en a par contre. Titanium. Ok. Il m'a dit un truc là. Ah, il était là. Ok. On sera quand même mieux avec un couteau. Ça serait bien. Oh, petite grotte. Titanium. Un petit dernier. Et on remonte. Allez, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Oh là là. Oxygen. C'est génial. Ok, on va aller vers la base, je pense là. Hop, viens là toi, petit boomerang. C'est magnifique, hein. Oh, ah, je crois que c'était un minerai. Champignon. C'est tellement différent. Ah putain, je t'ai attrapé, hein, t'as vu la fat. On prend vraiment tout ce qu'on peut prendre. J'ai plus de place. J'ai l'impression que j'ai plus de place. Ah, je remonte, je remonte. Il me faudrait un meilleur équipement. Parce que si on veut s'aventurer plus loin, ça va être beaucoup plus compliqué. Oh, il pleut. Ah, tu pourrais pas m'envoyer un truc. Mère. Bon, après, mère, c'est peut-être le nom donné. Je sais qu'ils aiment bien les trucs un peu science-fiction. Donner le mot mère, vous savez, pour l'intelligence artificielle ou le directeur qui gère un petit peu tout ça. Bon, du coup, alors, on va se faire du petit silicone. Hop. Voilà. Comme ça, on va partir sur la bonne base avec le couteau. Oh, on pourra se faire des palmes aussi. Voilà. Nickel. Là, il me faudrait encore du silicone. J'en ai la masse du silicone, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Voilà. Super, comme ça on ira un petit peu plus vite. Super. Regardez, hop. Là il me faudrait du fiber. Fiber mesh. Ok. On va manger au passage. Voilà, génial. Je vais changer les emplacements du couteau. Nickel. On va mettre... Oh, ça s'est mis directement. Ok, donc plus, on va plus 15% de vitesse. Glace. Oh, fiber mesh, ok. Creepvine sample, ok, il faut que j'en récolte. Ah. On peut pas faire le... Le scanner. Batterie. Ripon plant. Oh, je ne connais pas ce truc. Je ne connais pas, je ne connais pas. Eh ben écoutez, on va faire ça. On va aller chercher tout ça. Hop. Ouais, parce que bon, quand il y a le Seaglide, ça sera quand même mieux. Il y a toujours le petit couteau qui change pas. Voilà. Ah si, qui est quand même beau, il est mieux animé, regardez. C'est un détail mais oh c'est... Oh, il nage différemment. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des people arctiques. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, ça a pas l'air sympa ça. Quand ça bouffe les autres, c'est jamais sympa. Ok, attendez, on va aller voir les je crois qu'il y en avait par là. Des vines. Il me faudra aussi le scanner pour apprendre Seaglide. Ah, regardez, ouais. C'est des petits requins des. Ah, on coupe. Yeah! Nice! Par contre, niveau place. Attendez, je vais aller le voir. Ah non, si, il a l'air sympa. On reviendra le voir, on reviendra le voir. Parce que là, sinon, niveau oxygène, c'est pas terrible, ouais. Je sais, j'arrive, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Tiens, je regarde si ça a pas du minerai qui traîne. Il y en a là. Hop! Un petit passage, j'ai chopé mon petit blader fish. Ah, je suis full. Ok. J'ai pas fait de stockage. Alors, j'évite un maximum les ellipses, les amis, parce que là, j'ai vraiment envie de vivre l'aventure avec vous à fond, comme le tout premier épisode de Subnautica. Tout début de l'aventure, donc. Ok, donc là, normalement, je peux me faire. Oh, c'est quoi ça? Air blader. Ah, c'est un truc de. Ok. C'est un flotteur pour oxygène. Qu'on fait avec un blader fish au passage, d'accord. Ok, ok, scanner batteries. Donc là, on va pouvoir faire ça. Hop. Voilà, comme ça, ça va faire de la place au passage. Ok, très bien. Allez. Nice. Super. Génial. Voilà. Plus 30 secondes d'oxygène en plus. Hein. Génial. Et là, il nous faudrait la batterie, donc les ribbon plants. Que je n'ai pas encore trouvé. Ok, on a les tuyaux pour conduire l'oxygène.
Oh, ouais, la batterie, ouais. Pour les batteries, quoi. Il faut du Reaper Plant. Eh ben écoute, on va chercher ça. Reaper Plant. C'est ça, hein. C'est ça, Ribbon Plant. Ok. Ça part. Ça part. Maintenant qu'on peut aller plus loin, je vais peut-être déposer des vines ici. Voilà. Attends, vous restez là, vous inquiétez pas. Je crois que ça se mange, il me semble. Je suis pas sûr. Bon, du coup, hop. On va aller par là. De son niveau bouffe et tout, on est bien. La petite sauvegarde qui va avec. Non, parce que là, Somnotica, ça serait dommage d'y passer maintenant. Hein. Alors, je vais essayer de tout couper. Voir si on peut. Regardez. Non, en fait, il est gentil. Il me fait penser un petit peu à ce qu'on avait vu. Les gros poissons bleus. Je sais pas si vous vous souvenez un petit peu. Oh, elle est énorme celle-là. Ah, c'était peut-être la plante mère, c'est celle où il y avait les creepvines, ouais. Waouh, waouh, waouh. Oh! Écoutez la musique, les amis. La seule et véritable musique du jeu, quoi. Enfin, la vraie de vraie, quoi, au début. Creepvine. Faut qu'on s'aventure un peu plus loin, je pense. Waouh. Est-ce que c'est pas dans les grottes? Est-ce que c'est... Oh, c'est ça! C'est dans les grottes. Nice. Nice, nice, on en prend masse. Parce que là, les batteries vont en avoir besoin. Nickel. Oh, il y en a plein. On dirait un volcan. Heureusement que j'ai fait ma petite bouteille d'oxygène. Ça prend beaucoup de place ou pas? J'ai pas l'impression. Oh, nice. Ça prend pas beaucoup de place. Waouh. 30 secondes. Ok, ok. Ça roule. Je remonte. On remonte, remonte. Oh, j'entends des bruits étranges là-bas. Ok, bon, allez hop, on va directement à la capsule. Oui, 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 l'oxygène. Pas de problème. C'est incroyable, hein. C'est gigantesque, hein. Cette île glaciale là. Cette île glaciaire. C'est glacier. Allez, on y va. C'est parti. Hop, direction la capsule. Et on va aller directement crafter notre petit premier transport. Batteries. Non, 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 ça c'est pas bon. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est toujours sérieux. Batteries. Yay. Et là, normalement, on va pouvoir faire le scanner. Parfait. Génial. Et là d'ailleurs on va faire on va manger un petit peu là. Oh, super. On va faire une bouteille d'eau. Avec oui, une petite créature, vous n'avez pas rêvé. Voilà, et là on va boire ça. Voilà, on est bien. On connaît. On connaît, on connaît. On peut tout scanner hein, grâce à ça au cas où. On va pouvoir apprendre plein de choses sur tout ce qu'on peut on peut croiser. Ok, donc là il va falloir que j'apprenne. Il me semble qu'il y avait un truc là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, des fragments. Il faut en trouver plusieurs. Ah, oh, bah, il y en avait là du Lumen Plant. On va en prendre parce que les batteries, on en aura vraiment besoin. Donc, du coup, dans le doute, on va essayer de trouver les fragments de tous ces petits trucs là pour pouvoir les crafter. Ok, grab trap. Oh! Ah, oui, c'est un piège à gravité. Ouais, pour les, c'est pratique pour avoir de la nourriture. Ah, voilà, ça me faisait. Oh, c'est des pingouins! Oh, les pingouins, ils peuvent plonger et tout. Bah, on s'en doutait, mais je pensais pas qu'ils allaient. On allait les voir plonger en fait. Bon, je vais essayer de récupérer tous les fragments là. Ça serait bien. Alors, j'ai reçu un message, les amis, alors j'étais en train de chercher les plans pour le Seaglider. Je ne peux pas t'autoriser un autre. Ok, on peut pas nous envoyer autre chose pour l'instant. Okay. Ah, mais apparemment, donc. Elle vient de nous donner par contre des coordonnées d'une caisse qui avait été envoyée il y a 6 mois environ. Et qui a pas été récupéré, je crois que c'est un truc comme ça, donc du coup on va les voir. Parce que elle peut pas nous envoyer d'autres trucs en urgence, le boss n'est pas d'accord apparemment. Merci le boss. On va y aller, alors attendez, je vais essayer quand même de trouver tout ce qu'il faut pour le Seaglider. Donc je vous rappelle qu'il me manque un schéma à trouver. C'est assez long quand même à trouver, hein, mais ça se trouve. Regardez les glaciers au-dessus de nous là. Oh, c'est quoi ça? Oh,
C'est tout petit, c'est un mini Ah! Ça fait mal! C'est un mini requin, mais ça fait mal! Ça fait mal! Ok, c'est bon, les amis, j'ai tout ce qu'il faut justement pour faire le Sea Glide. Et j'allais d'ailleurs trouver tous les fragments pour l'apprendre, bien entendu. Regardez, normalement, il est ici, voilà. Et il me manque du coup un fil de cuivre, donc le copper wire. Voilà, et là, normalement, on va pouvoir le faire. Oh, c'est trop cool! Oui! Oh, le Sea Glide! Premier, entre guillemets, véhicule de transport. The Subnautica. D'ailleurs, je peux pas jeter. On peut toujours pas jeter les objets dans la base. C'est dommage, du coup on va devoir acheter du titanium ici parce que j'en ai vraiment beaucoup trop. Et là on va aller récupérer un truc, donc j'ai pas envie de ne pas avoir de place, tout simplement. Voilà, on est bien, allez c'est parti. Lumière. C'est moi qui a essayé de me croquer lui. Ok, c'est là-bas, directement. Ok, donc apparemment c'est une caisse d'urgence. Stockage. Alors il y a un truc qui est assez drôle quand même, c'est que... Et assez drôle et chiant, mais en même temps c'est normal. Faut faire attention quand même au glacier quand vous voulez reprendre votre oxygène. Ça peut bloquer en fait. Alors je vais pas avoir la map moi. Oh, une petite plateforme. Qu'est-ce que c'est? Oh, high capacity. Oh tank, ok, donc c'est pour améliorer le... Notre réservoir oxygène. Génial! Donc là, du coup, on va pouvoir faire un réservoir d'oxygène plus grand, regardez. Donc il faut du vert, du titanium et du silver. Je vais prendre du sel déjà parce que j'en avais pas vu. En doute. Bah, écoutez, il nous faut du silver! Il nous faut du silver. Et bah écoutez, vous savez quoi? On va faire ça. Il va nous falloir un petit peu de minerai. Du silver, il devrait y en avoir un petit peu partout quand même, donc ça devrait, il devrait pas avoir trop de mal, on devrait pas avoir trop de mal à trouver un petit peu tout ça. Et bah écoutez, en avant les amis pour trouver tout ça, mais avant d'aller chercher le silver, regardez les amis. Regardez ces poissons là, en anneaux. Les owl fish. Les poissons, les titans poissons trous en fait, c'est ça. Waouh, encore une nouvelle créature. Il est beau quand même, regardez, il est transparent et tout. Oh. Oh, on peut lui prendre de l'oxygène. Dans son anneau, en fait, il y a de l'oxygène. Alors, j'ai vu qu'il y avait un immense trou là à côté, là. Je pense qu'à mon avis, plus, vous savez, on va dans les profondeurs, plus on peut trouver de l'argent. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais aller là-dedans, regardez. Ah ouais. C'est profond de fou, ici. Ah, attendez, on va prendre... Attention, vous allez dépasser... Vous allez dépasser les... ok, les 100 mètres de profondeur et ça va être dangereux pour votre oxygène, d'accord. Bah attends, là, il y a tellement de trucs, l'ami, là. Je prends tout, moi. Putain, c'est oxygène, ça. Ouais, nice. Ok, je regarde un petit peu partout. Oh. Ah, non, pas ça, oui, c'est vrai, ça, c'est chiant, non. Ça va, j'ai l'esquive. J'ai l'esquive. Heureusement. Oh, ça, c'est du silver. Nice. Titanium. Oh. Une technologie alien. Wow, ils ont été dans les profondeurs. 30 secondes. Ouais, je sais, faut que je monte. Merde. Oula. C'est quand même bizarre, hein, toutes ces tentacules. Hein. Vous avez vu la créature qu'il y avait en bas là? Est-ce que vous avez vu la créature qu'il y avait en bas là? Attendez, on va aller la voir. J'ai pas peur. Oh, il neige. I've got a lead for you. An alien sanctuary in the Twisty Bridges, 200 meters down. I need to go back to the research site. I can't let you. Why not? Boss's orders. We're trying to keep you alive. OK. Only because salaries cost less than donc, alors apparemment donc Sam qui est notre patron entre guillemets. They're just not human. Nous dites simplement que donc voilà, donc Sam qui est notre patron nous a dit que apparemment on va devoir aller voir un site de fouille en question. Il va falloir qu'on trouve le site de fouille d'Alien, mais que nous on n'est pas forcément d'accord parce qu'on veut retourner sur la base. Oh waouh, c'est impressionnant ça. Sur la base de recherche. Sur notre base de recherche, hein, où on a commencé à début, parce qu'on veut voir si s'il y avait des survivants dans notre base de recherche, au cas où il y avait des gens là-bas et qu'il faut les sauver, tout simplement. Voilà, mais apparemment, le boss n'est pas d'accord. Il veut qu'on suive les directives et apparemment, les recherches aliens sont plus importantes que la vie humaine. Voilà, voilà. Wow.
Passing 100 meters. Oxygen efficiency. Comment ça s'appelle ça? Des blood sharks. Ok, des sharks. Donc des requins quoi. Très très bien. Très contente de savoir ça. Oh là, on va remonter. Oh là là, oh, on va remonter. Oh, t'es bien. On va retourner à la base, les amis. Enfin, la capsule de survie. C'est magnifique aussi ici. On va crafter ce qu'on peut crafter pour améliorer l'oxygène. Ça va être mieux, je pense. Ok, c'est bon, les amis. Donc, je suis de retour à la base. Et on va directement, bah écoutez, fabriquer et bah, ce fameux cette nouvelle bouteille d'oxygène. Voilà, donc il me faut la standard. Et bah, on va l'enlever. Hop, voilà, comme ça, on va pouvoir faire ça. Et on sera déjà beaucoup mieux, on pourra rester sous l'eau beaucoup plus longtemps, voilà. Ok, super, nice. C'est cool, et apparemment, donc, il faut que je retourne, vous savez où, où j'ai été un petit peu dans les profondeurs, juste un instant, il faut que je retourne là-bas apparemment. Il devrait y avoir normalement des choses à voir, et je me suis refait une pile, vous inquiétez pas. Je connais, je suis quand même un survivant de Subnautica, hein. Donc je connais tout ça. Voilà, donc on va retourner là-bas. Les piles de rechange au cas où. J'essaie de retrouver le trou. En même temps, on était obligé de faire cette bouteille d'oxygène parce que sans la bouteille, on aurait clairement pas pu aller dans les profondeurs comme ça. Ah voilà, le fragment. Faut qu'on suive les fragments en fait pour trouver la base alien. Il y aurait une base alien sous-marine. Étonnant. Oh, ça marque 2 sur 50. Ça spoil un petit peu combien il y en aura déjà, tu vois. Ok, est-ce que c'est déjà ce truc là? Il doit être dans le coin, le trou là. Où il est ce trou déjà? C'est bon, je l'ai trouvé les amis. C'était ici. C'était ici, c'était ici. Donc apparemment il faut redescendre, il faut descendre tout en bas. C'est pas possible. Bon, attendez, je vais quand même faire une sauvegarde dans le doute. Hein, hein. Ok, il y a de l'oxygène ici. Ok. Ah, ah. Non, non. J'ai trouvé une autre base alien. Un autre fragment. Allez. Ça fait mal? Oh, ça fait mal, c'était sûr. Ok, donc il faut qu'on suive les fragments. Qu'on prenne l'oxygène en même temps, je pense. Oh, c'est vachement sombre ici. Voilà. C'est vachement sombre là-dedans, là. Attends, c'est en bas qu'il faut aller? Oh là là. Pas très sûr que ce soit ici. Hein. J'ai peur. 30 seconds. Je crois qu'il y a une créature avec nous en bas. Oh, je vais me noyer. Oxygen. Ah ouais. Oh, non, je vais me noyer. L'oxygène. L'oxygène. 30 seconds. Ok. Alors ça doit pas être ici, ça doit être un peu. Oh non, 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 non. Trop de bestioles. Trop de bestioles. Trop de bestioles. Oxygène partout, il y a de l'oxygène partout, mais c'est où? C'est où? Attends, les amis, je crois que j'ai trouvé. Oh là, c'est GPS. Oh. You're close to the sanctuary. Do you see anything? Some alien structures dotted about. I'll see where they lead. Ok, donc il y a un truc à aller rechercher là-haut. Je sais pas si c'est normal. Bon, on va suivre ce que je vois qu'il y a des sanctuaires là-bas. Regardez. Ah, ouais, des sanctuaires partout là. Ouais, faut qu'on remonte. Ok, alors apparemment elle nous a envoyé les coordonnées sur GPS, faut qu'on regarde. Il faut qu'on regarde. On a assez exploré ici, je pense. On a assez exploré ici, on va remonter. On va remonter, on va remonter. On va aller directement aux coordonnées. Je vais essayer de voir ce que c'est ces petites coordonnées là. On est sur la bonne voie, les amis. On est vraiment sur la bonne voie. Waouh, c'est beau ça. Tellement de créatures ici. Tellement de créatures dangereuses surtout. Ah, ça y est, les amis, regardez. J'ai les coordonnées. Ok, 300 mètres. D'accord, on va continuer à descendre. Alors, j'ai bientôt la batterie de mon Siglai qui est HS. Mais c'est pas un problème. C'est pas un problème parce que, comme je l'avais dit, j'ai déjà une pile en plus. Là, on va changer ça tout de suite. Hop là. Oh bah j'en avais deux. Nickel. Il y a une petite tempête électromagnétique au-dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Attends. Ah!
Les screamers dans le jeu toujours si présents. Oh, supply jump. Oh, j'ai évité le requin. Ok, il y a des trucs dedans. On va y prendre ça. Ok. Alors, est-ce que c'est un rapport? C'était une caisse. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. C'est pour les... Il y a des soins, il y a de l'eau. D'accord, c'est une caisse en fait. On a reçu une nouvelle caisse. Donc j'étais bien sur la bonne voie tout à l'heure en fait avec les piliers et tout, d'accord. Alors, regardez les ennemis en fait, c'était les piliers qu'il fallait suivre. Je pense que c'est ça. Ah, c'est moi tranquille. Oh. L'entrée d'une base alien. Ok. On a trouvé l'entrée. Alors je vais enlever pour le... pour la beauté quand même. Oh, j'aurais pu faire ça directement. Comme ça on voit pas du tout les coordonnées de ma base. Ça s'affiche pas. Comme ça on peut admirer. Robin Goodall, concede. I come in peace. Je viens en paix. Absence of hostility. Sufficient. Absence. Are you alive? Est-ce que tu es vivant ou un ordinateur? Or a computer? What is the difference? Quelle est la différence? I want to meet the people. J'aimerais bien savoir quelles sont les personnes qui ont construit cet endroit. What do you want? Enfin, les rencontrer. Qu'est-ce que vous voulez? With you? Je veux que tu restes ici. Avec toi? Why? Pour toujours. Pourquoi? You've met Altera then. It is what we would do. People will come for me. They will also stay here. That is all. I waited my life for this. I'm not your enemy. Je ne suis pas ton ennemi. Hello? Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, donc apparemment l'ordinateur est très très... Je sais pas si c'est un ordinateur ou un alien, mais il est très très intelligent. Il sait comment on s'appelle. En même temps, bon, une base alien, hein, forcément, ils sont déjà dans le futur comparé à nous. Toujours, bien sûr. Wouah, c'est impressionnant ça. Regardez, le pont, tout a été détruit. Il a dû se passer quelque chose. Hein. Bah, de toute façon, on sait très bien que les aliens n'ont pas réussi à survivre. Mais est-ce qu'ici, ils ont réussi à survivre? On va le voir. On va savoir tout ça. Tu te souviens? Wouah, le cube. Qu'est-ce que c'est? Turn back. Non. On est en arrière. Quelle est cette pièce? Ne touche rien. Tu ne comprendrais pas. Ah, c'est lui, il est vivant. Meurs. Attends, peacefully, quoi? On peut pas retourner en arrière? Est-ce que vous pensez que c'est ça, les aliens, les amis? Ou est-ce que vous pensez que c'est le cerveau de cette installation? Wouah, c'est impressionnant, hein. Il y a un truc là pour lancer une séquence, télécharger la séquence initiale. Je me sens mal. Alors ça cherche apparemment dans les données. Commencement du téléchargement. Oh, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est transféré en moi l'ordinateur ou l'ordinateur alien? Comment que ça se passe? Téléchargement réussi. You have no concept for what has just occurred. Oh, I know it hurt. Quoi, j'ai mal, qu'est-ce qui se passe? Download capacity was identified in your cerebral cortex. Les données ont été téléchargées dans votre cortex cérébral. Dans ma tête. Return me. Release the force fields first. Return me, or I will destroy your orbital station. Why not do it now? Remets-moi où j'étais, sinon je détruis ta station orbitale. My survival chance increases if I do not draw attention. I don't think you have the power. I think you're scared. Then I will destroy you. Je veux te détruire. What? Il est rentré en nous. I am experiencing technical difficulties. Do not move. J'ai des difficultés techniques. Ne bouge pas. Do not move. Ne bouge pas. Erreur. Errors. Hibernating. I didn't mean to scare you.
What is happening? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'elle dit. Même elle, elle pige pas trop. Ok, donc, à ce que je peux voir, à ce que je peux comprendre, l'alien a été téléchargé en nous. Alors peut-être qu'il va essayer de nous contrôler. Pas savoir pour donner. Enfin, je sais pas, ça serait ouf. Peut-être qu'il peut. En fait, vu qu'il pourrait contrôler notre corps, il pourrait lancer une phase de destruction de la station orbitale. Ah, ce qui était dans le ciel, je vous rappelle là où est situé notre boss et tout ça et tout. Ah, ça serait dingue. Parce qu'en fait, il n'avait pas de corps. Il n'avait pas de corps, donc il pouvait pas. Il pouvait pas bouger. Mais par contre, il est assez déçu, il est assez. Voilà, il essaie de nous faire peur parce qu'en fait, pour qu'on obéisse, parce qu'en fait, il arrive pas à nous contrôler, j'ai l'impression. Parce qu'on est beaucoup trop fort pour lui, apparemment. On a un esprit, un mental très fort, très solide. Et bah, les amis, écoutez, je pense que c'est le moment idéal pour s'arrêter là, du coup, pour ce premier et long épisode incroyable sur Subnautica Below Zero. J'espère, en tout cas, les amis, que cette nouvelle aventure sur ce. Bah, écoutez, sur cette extension, entre guillemets, de Subnautica. Vous plaît, moi en tout cas, je suis totalement plongé dans l'univers de cette aventure complètement génialissime. Je suis toujours, toujours autant impressionné par l'histoire de Subnautica, vraiment, et de voir là que c'est complètement différent par rapport à l'aventure de base. C'est-à-dire que là, on est déjà d'une pas tout seul, on est sur sûrement la même planète, mais dans un endroit très différent, et on a directement dans le premier épisode un contact avec les aliens. Voilà, donc du moins je pense l'intelligence artificielle des aliens. Et en plus de ça, on peut voir que elle est rentrée en nous. Donc du coup, on va voir un petit peu comment que ça se passera en tout cas les prochains épisodes. Voilà, en tout cas, merci beaucoup les amis d'avoir été aussi à fond avec moi sur ce premier épisode de Subnautica Below Zero. On essaie de s'aventurer un petit peu plus dans la suite de cette aventure. Alors, bon, bien sûr, comme je le disais, comme l'a dit les développeurs, c'est un Early Access. La version finale sortira normalement en 2020. Merci d'avoir été aussi patient, les amis, par rapport à l'attente. Hein. En même temps, bon, c'est pas moi qui sort le jeu en temps et en heure en même temps. Mais en tout cas, je suis tellement content. Et je sais que vous êtes toujours aussi nombreux à être à fond sur cette aventure Subnautica. Et vous êtes nombreux à être revenus en force. Parce qu'on est tellement fan de cette licence. Et pour moi, c'est un des meilleurs jeux que j'ai pu faire de toute ma vie, hein, tout clairement au niveau du let's play, au niveau de, enfin déjà l'univers aquatique et de l'histoire qui ne cesse de m'impressionner, et vous aussi. Et surtout, je suis tellement content et j'ai tellement hâte de vous retrouver du coup pour la suite de cette aventure de Subnautica Below Zero. Et surtout, j'ai hâte que la version finale sorte, parce que bon, clairement là, on aura pas tout encore qui sera encore sorti. Hein. Je pense pas, il faudra attendre quelques mois encore. Mais en tout cas, merci beaucoup les amis. N'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de ce premier long épisode. Je voulais absolument qu'il soit long. Je voulais pas le couper un petit peu en mode survie, parce que bon, c'est comme le premier épisode de l'aventure de base. Je voulais quand même aller un petit peu plus loin, parce que bon, on avait été tellement loin dans les derniers épisodes de Tika que et ça faisait tellement longtemps que c'était pas retrouvé, que je voulais pas faire un petit truc où on seulement faisait quelques crafts. Du coup, j'espère que ça vous a extrêmement plu. N'oubliez pas du coup de lâcher votre plus gros pouce bleu, les amis, pour ce début et cette nouvelle aventure de Subnautica. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vos théories un petit peu sur tout ça. Je suis très 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 attentif à ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas du coup de vous abonner à la chaîne, et n'hésitez pas à partager cet épisode et la chaîne. Et bah écoutez, votre entourage, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, merci beaucoup les amis, c'était Steven Jumper, et je vous dis du coup à très bientôt pour un nouvel épisode de Subnautica Below Zero. Ciao les amis.